Allô? Mais non, t'es donc bien en retard. Gaétane, je suis pile. T'as la télévision à la maison? Si t'as si peur de le manquer. Le regarder avec toute la famille autour, merci. Les poètes sont des dauphins que l'on voit par temps clair. C'est la mienne, c'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi. Ils sont énormes, mais leurs jeux sont tout petits. Comme des jeux d'enfants. Et pour se retourner, il leur faut la mer. Le grand dauphin de notre culture, la voix des Canadiens français, après l'avoir traversée plusieurs fois, cette mer revient dans son fleuve pour longtemps, espérons. Félix, c'est la gloire, la reconnaissance. Il paraît, il paraît. Mais il y eut un temps où personne ne voulait m'entendre. Oui, nul n'est prophète. Je connais le proverbe. Encore une autre partie. Bon, la dernière. J'ai de montagnes. Est-ce que c'est à cause de la télévision? On dirait qu'elle a la tête grise. J'ai si vieux lac. Mais t'as vu? Mais oui, oui. Trois chutes neuves. C'est un lion. Maintenant, c'est un boulou. Une ville à faire avant la nuit. C'est pourquoi de fois. Oh, cet homme-là, c'est pas un homme. Il n'est pas. C'est un dieu. Je t'attendais plus tôt. J'ai fêté avec ma fête et les autres. Ouais. C'est plus agréable que de fêter avec sa femme. Toi aussi, t'as fêté. Et jouer à la secrétaire. Tiens, tes lettres d'admiratrice. Oh! Une importante missive de la CAPAC, la Société canadienne de perception de droits. Droit d'exécution publique, 4,68 $. Radio-télévision, somptueux. On ferait mieux de faire fondre ton beau disque en or. Il doit y avoir une erreur. L'erreur, Félix, c'est de se faire avoir toute sa vie. Doudouche, je ne mendierai pas à genoux. C'est pas ma démarche. Ah! Explique-la-moi ta démarche. Hein? La pureté, l'intégrité, c'est ça? Tu comprends pas. J'ai envie de me sentir sans les coups, sans attelage. Me secouer la crinière comme un cheval qui court vers la liberté des bagages. Ce que je comprends surtout, c'est que tu te fiches de la vie des autres. Y a que la tienne qui t'intéresse. Ne dis pas ça. Je me gênerais? Pourquoi? Rêveur, manipulateur, envoûteur, égocentrique! Tu bois trop. Oui, je bois. Je bois pour oublier que tu chantes le bonheur et l'amour, mais t'es incapable de les donner. Ces belles chansons avec leurs mots magiques que je prenais pour moi, je me fais plus d'illusions. Ou plutôt, oui, tout est devenu illusion. Notre vie, notre mariage! L'alcool te fait déparler. Non! Ça me permet de dire ce que je retiens depuis trop longtemps, Félix. Mais qu'est-ce que tu retiens comme ça depuis si longtemps? Je me retiens de pas crier, de pas hurler que j'en ai assez. Assez de toutes les femmes ici et en France. Assez de ta façon de jamais être là. Tu veux vraiment tout briser? C'est à moi que tu dis ça. Moi qui ai toujours essayé de garder tout ensemble. Moi qui ai tenu la famille, la maison, les comptes. Moi qui ai passé mes soirées à revoir tes textes, à corriger tes fautes, en attendant que tu daignes revenir de ci ou de là. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais qu'être Madame Félix Leclerc, ça, c'est pas une vie. Thank you.
Tu te souviens, Félix? Nous étions 11 frères et sœurs. Une maison chaude, du pain sur la table, les coudes qui se touchaient. Voilà le bonheur, je disais. Et papa demandait, pourquoi tu nous y fais penser à ce bonheur? Et moi, je répondais, pour qu'il reste avec nous. Ça va, mon petit? Oh, moi. Il m'échappe toujours, ce bonheur. Je détruis tout. Mais non, mon filou. Crois tes songes, ils te porteront. Il n'y a de vrai que ton rêve, tu sais. Ce que tu vis en songe, tu le changes en vie. Félix, il faut te retrouver au bout du monde. C'est Dodouche qui t'envoie? Non, mais je l'ai vu. Tirer le diable par la queue depuis des années, puis ne plus être la muse quand le vent tourne, on peut s'aigrir. Ouais. Le bonheur que nous avons connu ensemble, je le vois plus, Guy. Il a disparu. Peut-être si je m'éloigne quelque temps. Justement, j'ai rencontré un impresario, un Américain. Il propose un passage sur le Ed Sullivan Show à New York. C'est vraiment pour moi, ça. Les stars du monde entier y passent. Ils ont beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut se décider, là. Time is money. Et une fois mort, on est le plus riche du cimetière. Ouais. Justement, time is money. Ils attendent une réponse à New York. Ouais. C'est que j'avais décidé de passer par l'île d'Orléans. Sais-tu que l'île est tenue pour un lieu sacré? L'île est ensorcelée. Vrai ou pas? Ça fait pas mal d'y croire. Chemin des sorciers, puis des sorciers, cabane des sorciers, il y en a partout. Bon, Félix, on y va? Joe, il y a une place dans l'île pour un pauvre saltimbanque. Vous êtes ici comme chez vous, M. Leclerc. Buffman. Voilà ce que je veux devenir. Buffman! Gagner ma vie avec mes mains. Bravo, Félix! Je me décarcasse à trouver des jobs. Je te cours jusqu'à la tuque. Oh, t'en fais pas pour moi. Ma fête, c'est toi qui as ce qu'il faut pour réussir dans le showbiz. Belle tête, charme, même un sens des affaires, boniment et compagnie. Maudite tête de cochon. Attention! Tijo, vite! Doucement! Doucement! Pas fait mal? Non. J'avais aidé de faire concurrence à ton cerf-volant, mon Tijo. Buffman, peut-être que si on savait ce que vous voulez dire. Aïe. Mais comme charpentier, vous avez pas mal de copeaux à manger. Je vous vois mal taper à la machine avec vos pattes en sang. T'as tort, Joe. J'ai déjà 6 tableaux d'écrit. Je pensais à ça. Pièce de théâtre, ça rapporte pas mal. Je devrais louer ma terre un peu plus cher. Tu pourrais, Joe. Tu pourrais. Tu pourrais aussi chercher un droit de passage à ceux qui veulent venir voir l'énergumène au bout de ton terrain. Le grand Félix dans une cabane en bois, là. Qui est-ce qui va me croire? Où est Martin? Il t'attend au parc. Je voulais te dire que tu lui manques beaucoup. Mais là, je suis tout prêt. Je suis à Montréal. Parce qu'il va y avoir ta pièce. Tu viens la première? On verra. Douche.
Tu as du chagrin, je le sais. Moi aussi, j'en ai. Si on les unissait, ces chagrins. Explique-moi comment quelque chose d'aussi bâtard pourrait faire renaître le bonheur. Les acteurs ou les critiques. Découragé. C'est pas la critique qui décide. Qu'est-ce qu'on a vendu pour demain? C'est pas trop brillant. Et peut-être que le bouche-oreille va... À l'époque des oreilles bouchées. Félix, on pourrait peut-être faire quelques aménagements. Couper des longueurs. Adoucir certaines provocations. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux que je te dise? J'en pense plus grand-chose. Pas ce soir. On pourrait se retrouver à midi. Revoir la pièce ensemble. La nuit porte conseil. Vas-y. Je ferme derrière moi. Comment il va? Il va pas très bien. Les assassins, la racaille. Encore des injures. Qu'est-ce qu'il raconte? M'a fait maudit. Bon. Félix Leclerc écrit comme il chante. Avec des héros. L'autre... Félix, pourquoi te faire du mal? Barbeau, Marcotte, des faux frères, des bonzes. Pour préserver l'avenir de la littérature canadienne, il serait bon de l'amputer des deux mains, cet écrivaillon. Des maudits salauds. Il faut écrire comment pour ces rats? Il y a un petit gars de la tuque qui a même pas terminé son cours classique. Il ne fera jamais partie du Cénacle, Félix. Et heureusement. Des roses en France et des poignards ici. Pourquoi? Les Canadiens français, c'est pas nouveau, des moutons. Aussitôt que l'un d'eux redresse la tête, on lui assène un coup pour la lui ramener au niveau du troupeau. Et pourtant... Si tu savais comme je me sens d'ici... Même lorsque je suis là-bas. Parce que c'est ici que t'appartiens, Félix. Je le sais, moi. Les autres s'en rendront bien compte un jour. L'amputé des deux mains, cet écrivaillon. Un sujet digne d'un troupeau de moutons. Il n'y en a qu'un sujet, la mort. Le temps qui passe, puis la mort. Et puis la mer, peut-être. Dans le fond de l'océan, je connais 10 marins attachés à une planche. Moi, la mer n'a pas voulu de moi. C'est du café qui fume. T'en veux? La mer n'est pas la mer. C'est un gouffre sans fond qui avale les garçons par les matins trop clairs. La mer, elle m'a puni. Pour qu'à chaque pas, je me souvienne. Je vais l'écrire, ton histoire, Bozo.
J'appellerais ça le fou de l'île. L'histoire d'un pêcheur qui a peur que son île parte à la dérive. Alors il se l'attache à lui. Et il tue tous ceux qui veulent l'en séparer. Je la connais, celle-là. Une petite pensionnaire. Elle a loué une partie du grenier pour 2 ou 3 jours. Elle en a posé des questions sur vous à Jeannette. Jo. C'est toi qui as remis ton cerf-volant? Non. Mathès, j'ai heureux de voir qui est revenu. Oh, voilà des prodiges. C'est ça, l'île. Une place pour amener ses rêves. Tu l'offriras au jour en l'honneur de nos amours. Si l'océan frémit au toucher de ton doigt, que penser, mon ami, quand je me donne à toi? Passerai-je la nuit immobile comme marbre si je prends comme lit ton hamac sous les arbres? Quand ils t'ont aperçu, les oiseaux en folie ont envahi la rue, fait reculer ma nuit. Les fleurs de mon jardin se sont déracinées, on les voit le matin dans l'air se promener. Viens, nous nous coucherons sous le même manteau. Nous nous endormirons liés comme roseaux. J'ai traversé la mer pour venir vous voir à Paris. J'ai guetté votre tour ici. J'ai compté les étés, supporté les hivers. Enfin, vous me regardez. Vous vous souvenez? Vous me l'aviez cueilli au bord du chemin. Je l'ai conservé comme un petit bonheur. Alors je te l'offre. Sois mon roi. Je ne serai plus jamais pauvre, jamais amer, jamais désespéré.
Leclerc! Un téléphone de Paris! Allô, Félix. Bon, alors ce bol d'air, ça vous a fait du bien? Bon, tant mieux, hein, parce que vous allez en avoir besoin. Non, j'ai quitté Polydor, là. Maintenant, je suis directeur artistique chez Philips. Dites-moi, Félix, je pense qu'il ne faut pas laisser trop longtemps vos amis français piaffer d'impatience comme ça. Primo, je pense qu'il est temps de faire un disque. Et ensuite, il faut faire votre rentrée à Paris. Alors, je monte aux Trois Baudets... Zazie dans le métro, vous savez, la pièce de Queneau. Oui. Alors, vous pourriez faire la première partie, et ensuite, on fait une tournée. Une belle tournée. Il m'a aussi promis le jeune Dufault comme régisseur. Alors, Félix, de quoi te plains-tu? Je m'étais juré... Et Doudouche? J'aime Gaétane. Gaétane? Tu vas pas passer ta vie avec elle? On n'a pas le droit de rester malheureux. Il faut essayer de vivre, de ressusciter. Toi, tu confonds l'amour avec un caprice. Tu te lasseras. Non, Guy. En ce moment, je me sens comme quelqu'un qui arroserait deux arbres en même temps. Et pourtant, l'un des deux est mort. C'est odieux ce que tu dis. Le malheur aussi est odieux. Comme l'amitié qui ne comprend pas. Gaétane, écoute-moi. Je t'explique. Ce que j'ai déjà compris. Ton âge, le mien, j'ai pas le droit d'hypothéquer ta vie. Tu te prétends un homme libre et t'as des principes de petit bourgeois. Et si moi j'ai envie d'aimer un vieux loup solitaire à la crinière grise, hein? C'est une belle affiche. Oh, Jacques est toujours en retard. Pourtant, si vous saviez comme il a hâte de vous revoir. J'ai un peu l'impression de revenir chez moi. Il paraît que vous avez écrit des nouveaux textes. Des chansons que vous avez laissées mûrir. Elle est belle. Ah, voyons voir ça. La mer n'est pas la mer. La mer n'est pas la mer. C'est un gouffre sans fond qui avale les garçons. Par les matins trop clairs. L'amour n'est pas l'amour. C'est un faux carrefour où les filles entrent en chantant, en ressortant pleurant. La vie n'est pas la vie. Mais triste comédie qu'il faut vite quitter avant que d'y goûter. Moi je sais un pays qui est bien loin d'ici, où la mer est la vie. Et l'amour sont unis, où la mer et la vie, et l'amour sont unis. Oh. Mais je ne savais pas que vous chantiez. Eh ben, ça m'arrive.
dommage que vous ne connaissiez personne dans le milieu. Mais je vais essayer de vous aider. Pour que tu le vois bien. Quand je te détesterai, je mettrai ma casquette. Quand tu ne m'aimeras plus, pour que tu le vois bien. Quand tu ne m'aimeras plus, je me ferai détresse. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? C'est dialogue amoureux. Lucienne Vernet, la femme de M. Jacques Kennedy. Elle a une voix merveilleuse, tu trouves pas? C'est seulement la voix. Celle qui n'est pas jalouse, qui ne se met pas en colère, qui ne s'arrache pas les cheveux, est-elle encore amoureuse? Non. C'est donc que tu m'aimes toujours. Viens, on va fêter ça. Une fête. Rien que pour nous. Hey! Lâche-moi, Félix, pose-moi! Lâche-moi tout de suite! Félix Leclerc, c'est pas drôle, arrête tout de suite! Taxi, taxi! Oh, pose-moi, là! Pose-moi! Bon. Saint-Germain, la brasserie Vagenant. Avec plaisir, Monsieur Leclerc. Même en peignoir? Pas la brasserie, à l'hôtel. Dit au moins 20 fois. Côté jambe, le dessus de l'étui. Comme ça, s'il s'ouvre, la guitare tombe pas par terre. Maudit Félix. Ah, Monsieur Leclerc, bienvenue chez nous. Bonjour. Bonjour. On plie son registre. Pardonnez-moi, mais il me faut votre passeport. Monsieur Leclerc, bonjour. Bonjour. Monsieur Dufour, bonjour. Je suis directeur du théâtre. Est-ce que vous avez les affiches? Oui. Voilà. Enfin. Beaucoup de réservations pour ce soir? À peine un tiers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, M. Leclerc remplit toujours les salles. D'accord, M. Leclerc, tu es une grosse vedette, mais enfin, on a eu hier soir un chanteur lié, un autre dimanche, ça draine. Dans le train pour Sainte-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer. Mais allez donc débarquer. Quand le train file 50 000 à l'heure et qu'en plus vous êtes conducteur. Oh, dans le train pour Saint-Adèle. Il y avait rien qu'un passager. C'était encore le conducteur. Imaginez pour voyager si c'est pas la vraie petite douleur.
Oh, le train du Nord. Tchou, 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 le train du Nord. Au bord des lacs, des petites maisons, ça vire en rond. Ceux qui disent que les dimanches sont jours d'ennui, l'espoir qui flanche, non donc jamais. Je suis désolé, hein, j'ai rien reçu du bureau de Monsieur Canetti. Je vous l'ai dit, c'était à la charge du théâtre. Ah bah excusez-moi, il a dû arriver cette nuit. Je l'avais pas vu, pardonnez-moi. Pas grave. Félix. J'ai reçu un coup de fil de Canetti. Le reste de la tournée est annulé. Qu'est-ce qui vous arrive, Félix? Vous respectez pas notre entente, Monsieur Canetti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Un poète tout seul en scène qui chante aujourd'hui, on est peut-être un peu à contre-courant aussi. Bon, d'accord. Mais si on parle d'avenir du métier, je vous préviens, je ne me mettrai pas à la guitare électrique. T'as pris congé? Monsieur Canetti a annulé un bout de la tournée. Pourquoi? Oh, ça arrive. Es-tu sûr que c'est pas une question de promotion ou de production? Non, c'est rien. À comparer au plaisir d'être ici avec toi. Quand je sortirai de ce pays vieux que sont mes naufrages, quand je rentrerai dans ce pays neuf qui est ton visage. Félix, j'ai fait les comptes. Avec les retenues, les frais, les avances, il ne reste rien à toucher. Comment ça, rien? Oui, enfin pas grand-chose, quoi, des miettes. Pour tout le travail. Voilà. Et les 600. Dis-moi, Jean, sincèrement, Canetti, c'est encore l'homme de la situation? Ben oui, comment les choses évoluent, hein? Les yéyés, les grosses sonos, la radio qui passe à la variété anglaise. Non, la vérité, c'est que la chanson d'auteur, c'est devenu difficile. Maudite affaire. Maria, nous allons passer à table. Allez-y. Monsieur Leclerc, madame ne m'avait pas prévenu. Monsieur Canetti est là. Mon Félix. Félix, mon bon Félix, mais ça fait une semaine que je vous cherche. Maria, on peut rajouter un couvert pour monsieur Leclerc. Il dîne avec nous. C'est vrai, il s'est fait un souci d'encre. Moi aussi, d'ailleurs. C'est où? Oui, je vous cherchais. Parce que les choses étant ce qu'elles sont, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai entendu parler d'un film à grand spectacle sur le cirque. Et il cherche le rôle principal, celui d'un dompteur. Alors, je lui ai dit qu'avec votre physique, c'était du sur-mesure. Donc, je peux en parler, si vous voulez. À une condition, M. Canetti, que ce soit vous qui jouiez le rôle du tigre. Sacré Félix, vous êtes impayable. Impayable, vous pouvez le dire. La dernière chose que je voudrais, c'est qu'il y ait un malentendu d'argent entre nous, Félix. C'est pour vous, monsieur. Excusez-moi. Félix. Un souvenir. Non. Du temps où nous allions détenus. S'il y a un malentendu, réglons-le maintenant. Tout est clair, monsieur Canetti. J'ai perdu confiance. Perdu confiance? Pas moi. J'ai
toujours cru en vous, Félix. Et je vous rappelle que c'est moi qui vous ai fait revenir en France. J'étais loin de penser que ce serait une aussi dure épreuve pour notre amitié. Notre amitié? Après tout ce que nous avons vécu ensemble, vous ne pouvez pas en douter. Eh bien, si vous m'aimez autant que vous le dites, M. Canetti, vous allez me rendre ma liberté. Sinon, j'arrêterai de chanter. J'y gagnerai rien, vous non plus. Non, mais Félix, après toutes nos années d'amitié, de complicité, tout ça peut pas sombrer d'un seul coup. Songez à votre public, à votre carrière. Lucienne, laisse-nous un petit moment, s'il te plaît. Félix, cette jeune femme que vous avez ramenée du Canada... Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune femme? Oui, pardonnez-moi, vous avez raison, je n'ai pas m'immiscé dans votre vie. J'y vais. Félix, attendez. Je vous le rends. Mon parapluie. Vous vous souvenez? Vous m'aviez dit... Qu'est-ce que je pourrais vous donner qui vous ferait plaisir? Vous m'aviez demandé ce parapluie que j'avais toujours avec moi. Ma canne, mon masque, ma défense. J'ai souvent pensé depuis. La façon de savoir si un homme vous aime, c'est d'attendre qu'il vous donne son parapluie. Mais il est toujours à vous. J'ai appris à vivre sans lui. Non, gardez-le, M. Canetti. Car vous devrez apprendre à vivre sans moi. C'est du Canada dont j'ai envie. La neige, plein la tête. Pour que tu le vois bien. Quand je te détesterai, je mettrai ma casquette. Quand tu ne m'aimeras plus, pour que tu le vois bien. Quand tu ne m'aimeras plus, je me ferai détresse. Depuis cette entente, mamie porte chignon. Et lui, à tous les vents, il marche tête nue. C'est toi? Moi avec lui. C'est magnifique. Pour ta tête, un oreiller, et pour tes yeux, un peu de ciel d'été, et pour tes mains, ma main à caresser, et puis la mer pour lui. Ma bien-aimée, à l'infini, très loin des violons et des bergers vêtus en chevaliers, 40 fous du roi tout maquillés et des anges. Nous guettons à l'horizon. Mmh.
faut faire de feu. Enfin, tu es là. Tu m'as bien l'air d'un loup. Sais-tu que les loups s'unissent pour la vie entière? Si l'un disparaît ou rompt le pacte, l'autre est condamné à errer dans la nuit. Félix? Félix? Un habitant de l'île d'Orléans philosophait avec le vent, les petits oiseaux et la forêt. Le soir venu à ses enfants, il racontait ce qu'il avait appris là-haut sur les galets. Un beau matin, comme dans son champ près du marais, avec son chien en sifflotant, il s'engageait. Deux hommes armés à collet blanc lui touchent le dos, très galamment s'excusant lui dit ces mots. Monsieur, monsieur, vous êtes sous arrêt parce que vous philosophez. Suivez, monsieur.